Match contre Milan. Contre Milan. Contre Milan. Bonjour et merci de nous rejoindre pour cette rencontre. Les deux équipes sont prêtes, l'arbitre aussi. Et je peux vous assurer que les supporters sont déjà bouillonnants. Ce n'est pas une surprise, notez bien, c'est quasiment toujours le cas ici. La météo un peu capricieuse aujourd'hui, il faut le préciser. Espérons qu'on assiste quand même à un déluge de buts. En attendant, on a beaucoup parlé météo. Ne parlons maintenant plus que de ballon. Quoi qu'il en soit, c'est un plaisir d'être dans ce stade. Pour 90 minutes. Il peut tirer. Golazo! Ça tombe sur les chapeaux de roue. J'espère que ça va donner un match ouvert du coup. Il faut dire qu'en cette position tout seul, il ne manque pas souvent sa cible. La défense était un peu à la rue à mon avis, mais la passe était bonne. Il a eu tout le temps d'ajuster sa frappe. Ils ouvrent le score dès les premières minutes de cette rencontre. Milan qui oh, ça est double toujours la en quête d'une première victoire en championnat. Et voici que la pluie fait son apparition. La longue passe. Chiesa. Chiesa. Federico Chiesa. Federico, bien joué. Il avait fait de 3. Boum. Lucas Paqueta. Le conjoint peut-être pour Ibrahimovic. C'était intéressant cette action. Dommage qu'il n'ait pas pu. Ibrahimovic. Belle passe lobée. Oh dommage. Caldara. Il allonge vers l'avant. Lucas Paqueta. S'ils le trouvent dans la profondeur, ils peuvent contrer. Dans la profondeur. Bon, un effet sur le ballon. Oh, côté. C'est bien fait, mais ça ne passe pas. Eh ben, dis donc, c'était chaud. L'arbitre revient à la faute et décide de l'avertir. Ça passera sur le côté. Il y a peut-être un coup à jouer. C'est un bon. Oui, il peut frapper là. Ce ballon, ils ont notre chance. Ça s'est joué à rien. Ouh, quelle occasion. Milan qui peut avancer. Allez. Le bon dribble. Chiesa. Une belle échappée, dommage pour la confusion. Il relance côté droit. Lucas Paqueta. L'ouverture sur le côté. Un centre. L'interception, c'était chaud. Et c'était bien dans l'idée, mais la passe n'était pas assez précise. Ça peut partir en contre. Il allonge le jeu. Oh oui, ça passe pour Chiesa. Il a champ libre. Il fait une énorme occasion. Go, Federico. Et c'est mérité. Il est presque chavreux dans sa finition.
peut-être pas le but de l'année, mais quelle efficacité! Chiesa qui double son capital but avec sa deuxième réalisation de la saison. Et voilà, ça fait maintenant 2-0. C'est bien d'avoir fait le break comme ça. À 2-0, on respire un peu mieux. Lucas Paqueta. Kessié. Lucas Paqueta. Pénalty à le patron. À cette attaque patiemment construite. Il choisit la profondeur. Le bon jaillissement. Voilà une bonne occasion de contre. Le ballon dans la profondeur. Il était vraiment propre ce tacle. Caldara. Lucas Paqueta. Il n'a pas réussi à faire de différence dans les zones décisives aujourd'hui. Il le marque à la culotte. Bien. Chiesa. C'est un spécialiste des frappes lointaines celui-là. Et ils le savent. Alors s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Il tente de la jouer dans l'espace. Oh, le petit ballon piqué. La passe est précise. Dans la profondeur. Oh, bonne lecture, intercepté. C'est joué long. Caissier. Rebic. Ah. Oh, le contre, l'arme fatale. La bonne interception. Caissier. Hernandez. Caissier. C'est bien défendu, il faut dire. C'est joué long, c'est dangereux. Et Vinicius, c'est parti. La bonne passe. Vinicius Junior. Oh, à côté. Et le carreau se dérobe largement. Ah, il faut le garder à l'œil, celui-là. Vous avez vu comme il a transpercé la défense et sa frappe manquée de conviction. Sur cette intervention, l'arbitre a sifflé faute. Oh, Ibrahimovic, quelle occasion! Attention, Chiesa qui a déjà pris le pas sur la défense. Le jeu repart vers la droite. C'est la mi-temps. Bon, on ne peut pas dire qu'ils se sont mis définitivement à l'abri avec ce début d'avance, mais ils ont fait ce qu'il fallait pour regagner les vestiaires avec le sourire. Ils ont peut-être fait le break avec ce score de 2-0. La seconde période est lancée, voyons ce qu'elle nous réserve. Milan, qui a peut-être perdu son dernier match à cause de la tactique mise en place. Oui, bah comme on dit, la critique est aisée, mais là, c'est difficile. On ne peut pas lui en vouloir d'avoir tenté les choses nouvelles non plus. Et le ballon qui est remis dans l'axe. Allez, c'est dangereux! C'est un spécialiste des frappes lointaines, celui-là. Et ils le savent. Alors, s'il lui laisse de l'espace, bien sûr qu'il va tirer. Oh, le bon ballon! Bon jaillissement, il fallait attention là. La frappe!
Goal, magnifique. Qui met son but en terme définitif à tout suspense. Castro Vili. La frappe lointaine et quelle précision. Oui, il était concentré sur son tir et sur rivé sur le ballon. Il a déclenché sa frappe. De la réussite, mais magnifique ce goal. Le match reprend 3-0 au tableau d'affichage. Lucas Paqueta, Conti. Ah, c'était pas mal, mais le ballon est perdu. Ça ne passera pas. L'ouverture lumineuse. Ça doit faire but. Oh, la frappe. Oh, la parade. Un long ballon vers l'avant. Le ballon sort en touche. Allez, Wilfried. On dirait qu'il se méfie de la vitesse des attaquants adverses. Et c'est ce qui les empêcherait d'aller au pressing, à votre avis? Wilfried Gerber, Biragi. Biragi. Zaha. Castrovilli. Castrovilli encore. Castrovilli! Le gardien s'interpose avec brio. La défense avait l'air vraiment vulnérable sur cette action. Ils n'ont pas trouvé de réponse à ces dribbles. Il n'a pas pu se mettre en position de frappe, c'est rageant. C'est joué dans l'espace. Oui, oui, il était en jeu. Dommage. Oh, t'as rien. Peut-être l'occasion pour Rebic. Pas de réussite sur cette balle en profondeur. Je crois qu'il s'est trahi avec le petit regard à son coéquipier là, juste avant la passe. Il est servi. Il peut frapper là. Quelle parade! Le bon dégagement. Long ballon dans le sens du jeu. Il s'impose physiquement dans ce duel. En jeu apparemment. Et c'est donc un changement. Dans la profondeur. Et j'ai promu sur le ballon. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. Ça n'a pas fonctionné, mais c'était une action digne de son talent. Oui, mais il a joué un peu trop perso là. Caldara qui récupère ce ballon. Hernandez. Ça joue long vers l'avant. La Fiorentina qui se dirige donc vers une victoire sereine. C'est une occasion ça. Il s'échappe. Ouais, il frappe encore. C'est ça. Voilà, c'était carrément à l'humiliation. Ils ont été très rapides et décisifs à la récupération du ballon. Voilà, c'est comme ça qu'on mène une contre-attaque. Les changements s'enchaînent, on dirait bien. Et c'est pas surprenant, il avait l'air de tirer la langue. Un peu de son frais, ça va le faire du bien. Il y a un monde d'écart entre ces deux équipes et encore, je suis gentil. Et il cède sous la pression. Il cherche la profondeur. Et dégagement du gardien.
Rebenkovic, magnifique. C'est joué long. Ce contre peut très bien aller au bout. Le bon dribble. Elle s'est peut-être un peu emballée sur ce coup. Ça s'est bousculé un peu trop dans la surface là. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. Le ballon dans la profondeur. Oh, c'est bien fait. Il peut frapper. C'est une réelle humiliation. Mais c'est quoi le truc? Il cherche à battre un record ou quoi? Quel pas. Encore un changement alors que le précédent venait tout juste d'être effectué. Son entraîneur a senti qu'il n'avait plus de jus. Alors il valait mieux le sortir maintenant plutôt que de risquer la blessure. C'est bon, il maîtrise complètement le match maintenant. Ils ont l'air sonnés en face, Grégoire. Il va vite falloir trouver des solutions pour arrêter l'hémorragie. Quelle solidité. Sa gauche. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing.